fois là pour que je suis là. C'est trop bizarre, je m'attendais pas du tout à ça. Mais du coup, ça va être cool. Filmé à Marseille parce que j'étais trop prise à apprécier les moments que j'ai passé là-bas, mais j'ai quand même vu pas mal de trucs super chouettes et je me dis que c'est cool. C'est le principe de la chaîne de vous partager des bonnes adresses et tout. Du coup, je vais vous donner mes bonnes adresses à Marseille. Pour aller boire un verre, je vous conseille d'aller au Buvard, qui est un petit bistrot à vin dans le panier. Pour bouffer, je vous conseille vivement d'aller manger à la Cantinetta, qui est un resto italien en haut de la cour Julien. C'est hyper agréable comme cadre et la bouffe est genre... Tu trouves ton compte quand t'es végétarien et c'est juste de la... C'est de la tuerie tellement, c'est trop bon. Le plateau d'huîtres, ça a toujours été un rêve pour moi. Je l'ai donc réalisé, voilà. Désolée, j'ai... Comment on dit? J'ai failli à ma cause végétarienne. Donc chez Roger, qui est un bistrot sur le port de Marseille, où ils font que des fruits de mer, et c'était hyper hyper bon. En fait, Marseille, je m'en faisais une idée hyper particulière, notamment parce que je me basais sur les photos de Sophie Fontanelle, et aussi de Simon de la marque Jacquemus, qui habite plus ou moins là-bas, et qui du coup en donnait une image hyper belle et tout, et du coup j'ai été vachement choquée de trouver ce que j'ai trouvé, mais c'était vachement bien, c'est hyper hétéroclite, cosmopolite, il y a des influences de partout, c'est très très méditerranéen, donc je vous conseille d'aller voir le Fort Saint-Jean qui est juste à côté du Mucem. Je trouve que c'est un truc hyper calme et rassurant comme lieu, et il y avait notamment l'expo de Jacquemus. Je trouvais que c'était une dose d'énergie, de couleur et de lumière alors que c'est hyper simple. J'ai adoré ce lieu là mais je crois que ça se termine en juillet. J'ai aimé aussi me balader vers Bougainville en haut. Donc c'est le quartier des puces, tombé sur un tag d'une Vierge Marie de Inti, qui est un de mes street artistes préférés. Ce qui est agréable à Marseille, c'est qu'il y a plein de petits coins qui sont accessibles en bus et qui te font changer l'air de juste la ville. Il y a notamment la Cité Radieuse du Corbusier, qui sont des logements sociaux sur 9 ou 10 étages. Et c'est juste dingo de beauté et de justesse, et l'architecture et les lignes et les couleurs. Enfin, le Corbusier, c'est un des mecs qui m'inspire le plus. Et c'est juste sublime et vraiment, vraiment à pas louper si vous passez par Marseille. Tout en haut, quand on monte à la terrasse tout au dernier étage, plutôt que d'avoir la vue de tout Marseille autour, il a décidé de créer un mur pour justement cacher cette vue-là et de faire des petites lucarnes pour rendre la vue encore plus exceptionnelle qu'elle ne l'était, en disant que la vue était tellement immense que ça n'avait pas d'intérêt, alors autant la cacher et la faire apparaître à certains endroits. Et je trouve cette idée géniale, et c'est trop beau, et c'est une énergie folle, donc je vous recommande mille fois d'aller à la Cité Radieuse. Je vous conseille aussi d'aller, si vous avez envie de vous baigner, à l'île du Frioul, qui est l'île en face de Marseille. Vous prenez un petit bateau qui dure 20 minutes, qui coûte 10 euros l'aller-retour, et vous arrivez sur l'île du Frioul où il y a plein de petites criques, l'eau est transparente, elle est un peu froide, mais c'est beau et ça fait du bien aussi, c'est hyper dépaysant. Le dernier truc que je vous recommanderais, c'est d'aller dans ce port, dont je vous mets le nom là parce que je ne me rappelle pas, qui est pareil, à 10 minutes du centre de Marseille en prenant le bus 60. C'est un petit port tout mignon avec des petites maisons de toutes les couleurs et c'est hyper joli. Si vous avez d'autres adresses à Marseille à partager, étant donné que je compte y retourner vu que j'ai adoré cette ville, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On a trouvé un falafel, ça rase trop bon, pour 5 euros. Tu rajoutes toi-même ce que tu veux dedans. Ah oui, petit spot pas dégueu. Bon appétit, frère. Des Nuits Sonores, c'était grave cool comme vous avez pu le voir sur le vlog de Candice. Alors évidemment elle a tenu beaucoup plus que moi, elle a fait les 4 ou 5 nuits je crois, et moi j'ai fait un day et une nuit parce que je suis malade, j'ai des allergies, surtout je viens de reprendre
ma consommation d'alcool. Du coup, c'était un petit peu violent pour Bibi, mais ça s'est bien passé, c'était très très cool. Du coup, aujourd'hui, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai la tête ravagée de boutons. Du coup, j'en ai profité pour me faire tous les masques et les douches et les trucs trop bien. Mon délire préféré sur la Terre, c'est de péter les câbles en parapharmacie. Du coup, j'en ai profité pour acheter l'huile prodigieuse parce qu'elle était moins chère là où je suis allée. J'ai aussi pris de l'huile essentielle de Tea Tree, qui est une super huile essentielle pour tous les ch'tards. Et j'ai acheté un lait pour le corps de chez Cartier. J'ai recommencé à bronzer, du coup je vais entretenir tout ça. Et Cartier, c'est une marque archi cool parce que c'est vraiment pas trop cher. C'est une marque bio française, respectueuse de la nature, et c'est chouette. Je suis réveillée super tôt à 7h et je suis allée faire un shoot trop bien en banlieue et c'était trop cool et j'ai trop bien travaillé et j'ai trop aimé. Même si la journée avait pas été assez longue, je suis allée au théâtre voir un de mes meilleurs potes Thomas jouer une pièce. Il y avait un petit spectacle d'improvisation, j'avais jamais vu ça, du théâtre d'improvisation, et c'était super cool, j'ai trop adoré. Et j'ai parlé du mariage avec mes potes et je me suis dit que j'avais trop hâte de marier pour avoir tous mes potes alignés avec des costards et juste pour le fait de célébrer l'amour et avec tous les gens que t'aimes. Du coup, le mariage, j'y croyais pas du tout. Je redonne de l'espoir au mariage. 3h du matin, je commence demain à 10h. Je suis exténuée, il me manque du sommeil depuis à peu près 5 jours à cause des nuits sonores. Je suis quand même excessivement chanceuse et heureuse et voilà. On s'en bat les couilles de Nala, hein. C'est pour Bastille. C'est team, on est team Bastille ou on n'est pas team Bastille? On est team Bastille. Bon anniversaire. Franchement, on passe, hein. Bon, alors là, on va aller se faire un petit peu enculer par le rebeu. Bon, bah, allez, pitié là. J'ai entendu, on va aller se faire un petit peu enculer par le rebeu. Bah, c'est ce que j'ai dit. Bon, en gros, on est sorti acheter de la 10, donc le carrefour était fermé. Donc, ils l'ont vu au pire. Il fallait 21h50 alors que c'est censé finir à 22h. Donc, petit point en bas à gauche de votre écran, ne venez pas ici.